iniciativas y programas que tienen particular interés no solo desde el punto de vista ciudadano, sino también desde el punto de vista del marco político y jurídico. Gracias a la colaboración, que no puedo dejar de elogiar, que siempre nos presta al Instituto de Derechos Humanos, que organiza esta actividad, que siempre nos presta la Embajada de Canadá, cuya Brigada de Relaciones Culturales Salud, y la Fundación Canadiense, cuya directora y antigua amiga también saludo, podemos llevar a cabo esta actividad que se enmarca de todas formas en un ciclo en el que ya hemos recibido a otros interesantes y destacados representantes de la academia, pero también del mundo político canadiense, como los profesores Bouchard y Dion. El profesor Pierre Rosset es profesor de Derecho y trabaja en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Quebec en Montreal. Es un investigador especializado en el ámbito del derecho público, internacional, constitucional y comparado, en el del pluralismo jurídico y cultural, también el pluralismo religioso, y que ha trabajado también en la relación entre derecho y cambios sociales con el marco de fondo común de la investigación en derechos humanos, en derechos fundamentales. Tiene un rico currículum en el que me gustaría destacar la confluencia de tres aspectos que no son frecuentes, porque junto a su dimensión como docente y como investigador, tiene también una importante experiencia de asesoramiento y servicio público, en el ámbito de políticas públicas y, desde luego, muy específicamente en el ámbito de la gestión de la diversidad. Quizá en esa dimensión tiene una importancia considerable el hecho de que tenga experiencia también como abogado, por tanto que haya ejercido en el mundo del derecho. Pero ha participado y ha tenido cargos de responsabilidad en comisiones relacionadas con los derechos de la persona y de la juventud, también en el asesoramiento jurídico, como en este caso, como profesor de derecho, como experto en cuestiones jurídicas, en la comisión conocida como Comisión Bouchard-Taylor, por los dos representantes de la misma, que elaboró el dossier sobre las prácticas de acomodación a las diferencias culturales entre 2007 y 2008. Pero al mismo tiempo ha trabajado en organismos internacionales, tanto públicos como de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, en el Secretariado de Amnistía Internacional desde Londres, y ha asesorado a organismos internacionales de carácter general, como las Naciones Unidas, o de carácter regional, como por ejemplo el Consejo de Europa. Entre sus publicaciones, no voy a hacer lectura ni siquiera de un compendio abreviado de las mismas, sí que quisiera destacar, como lo hacía ayer mi compañera, la directora del Máster de Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, la monografía sobre la discriminación indirecta en el ámbito del empleo, en el ámbito del trabajo. Como saben ustedes, la discriminación indirecta es uno de los instrumentos sobre los que se ha ensayado y discutido a la hora de políticas de promoción y trato de la desigualdad, o por mejor decir, contra la desigualdad. Lo que no quiere decir que sea un instrumento pacífico, recibe considerables críticas, sobre todo por parte de quienes se enfocan la diferencia de trato, la gestión de las diferencias y las diversidades culturales
desde el punto de vista más ortodoxamente clásico de la democracia liberal. Tiene artículos particularmente interesantes, a mi juicio, sobre la noción de ciudadanía. Este es un tema que a nosotros europeos pareciera que nos ha llegado de repente, la dificultad de encontrar un punto de equilibrio entre la cohesión social en torno al modelo clásico de ciudadanía, determinado por rasgos de pertenencia básicamente nacionales, pero que en muchos casos esconden identidades etnoculturales, incluso religiosas y lingüísticas, y el reconocimiento a los derechos de la diferencia, que no el derecho de la diferencia. Es decir, el reconocimiento de las reivindicaciones de trato por parte de los individuos y grupos que tienen carácter minoritario. Un público que entiendo interesado y cualificado como el que aquí está presente, porque esa es la razón por la que está presente, no hace falta que le explique más. He robado ya mucho tiempo para la intervención del profesor José, que para poder seguir mejor su interferencia ha tenido la amabilidad de elaborar un PowerPoint que se podrá seguir, que nos ayudará desde luego a poder atender a los matices de esta conferencia, que son, no diré particularmente complejos, pero desde luego no son los propios de una exposición simplista, cosa que agradezco en particular al profesor Bosset, la capacidad de adentrarse en la complejidad introduciendo claridad. Me parece una virtud docente muy de agradecer. Fui testigo ya ayer de esa capacidad docente y la agradezco. Termino de nuevo agradeciendo a mis buenos amigos de la Fundación Canadá y de la Embajada de Canadá, excusando la presencia de la directora del Instituto, que no ha podido estar entre nosotros, y también excusando expresamente la directora del centro que nos alberga, y para que va mi último agradecimiento, por el mayor rector Peset, que siempre acoge con simpatía y con su eficiencia organizativa las iniciativas del Instituto de Derechos Humanos. Hoy, por razones de enfermedad, mi colega Ana Bonmatí no me puede acompañar. Yo espero su pronta recuperación y, en todo caso, quiero dejar constancia del agradecimiento de todos nosotros por su acogida. Así que, sin más, tiene la palabra el profesor José. Muchas gracias. Buenas tardes. Je veux d'abord m'excuser auprès des personnes qui sont dans la salle, puisque je vais m'exprimer en français. Et je sais que nous avons un interprète qui va travailler aussi fort que moi ce soir pour traduire mes propos. Alors, je la remercie personnellement. Et je vous remercie de votre présence. Merci aussi à tous ceux qui ont facilité la présence ici, notamment la Fondation Canada, l'Ambassade du Canada et nos amis de l'Institut de Valencia. C'est une présentation que je vais faire qui se veut assez descriptive. Je n'ai pas la prétention de proposer des solutions à quelques problèmes que ce soit. Je veux par contre vous présenter plus précisément les façons par lesquelles au Canada est abordée la question de la gestion des diversités. Je n'aime pas beaucoup le terme « gestion ». C'est pourquoi je l'ai mis entre guillemets sur ma diapositive PowerPoint, parce qu'il est trop facile de voir la gestion comme une opération purement technocratique, alors qu'il s'agit en fait de choix, de décisions de nature politique que l'on fait quand on adopte une façon ou une autre d'aborder les diversités culturelles et religieuses. Donc, sur cette réserve, abordons le sujet de la gestion de la diversité telle que nous la pratiquons au Canada et au Québec. La problématique qui sous-tend la présentation est la suivante. Pouvons-nous parler d'un modèle canadien ou québécois
Y a-t-il un ou plusieurs modèles? Et si nous ne pouvons pas parler d'un modèle, pouvons-nous à tout le moins parler d'un laboratoire? Ma thèse est que nous pouvons probablement davantage parler d'un laboratoire de gestion des diversités plutôt que d'un modèle, mais je vous laisse en juger par vous. Je vais commencer par une métaphore que les Canadiens connaissent bien, celle de la mosaïque. Il est courant au Canada de dire que le pays est constitué d'une mosaïque. Cette métaphore, elle est constamment employée dans la littérature, dans les discours politiques et depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Alors, dans cette image, bien sûr, vous reconnaissez le drapeau du Canada, mais si vous regardez bien, vous verrez que ce drapeau il est constitué d'une mosaïque, justement, d'êtres humains. C'est une métaphore. Les métaphores valent ce qu'elles valent, elles ont leurs limites. Il faut regarder quels sont les éléments de cette mosaïque. C'est l'objet donc de cette troisième diapositive. Quels sont les éléments qui composent cette mosaïque canadienne? Historiquement parlant, les plus anciens éléments de la mosaïque canadienne sont ce que nous appelons dans les textes constitutionnels au Canada les Premières Nations. Si vous préférez, les nations indigènes, les peuples indigènes. Nous les appelons également parfois les peuples autochtones. Mais le vocabulaire officiel, c'est celui des Premières Nations. Nous avons également, arrivé après, les Québécois, qui sont aujourd'hui encore qui forment le seul territoire à majorité francophone dans l'ensemble des Amériques. Et nous avons, plus récemment, ce que j'appelle personnellement les nouvelles minorités, à défaut d'un meilleur terme. 20% de la population canadienne est née à l'étranger. On estime qu'à peu près 16% appartient à ce que le jargon administratif canadien appelle les minorités visibles, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas de couleur de peau blanche. 16% donc, et cette proportion pourrait passer à 30% dans une vingtaine d'années environ, selon les statistiques de recensement canadien. Et ajoutons à cela, pour compliquer davantage la mosaïque canadienne, les minorités religieuses, aussi bien anciennes comme la minorité juive, que plus récentes, qui se manifestent notamment par l'islam, bien sûr, mais aussi par une floraison de diverses croyances religieuses, témoins de Jéhovah, adventistes du septième jour, et ainsi de suite. Voilà donc la mosaïque canadienne. Des chercheurs critiques face à cette notion avancent que nous devrions davantage parler d'une mosaïque verticale parce que la façon dont je présente les choses tente à mettre toutes ces minorités sur le même pied alors qu'il existe des rapports de pouvoir entre ces groupes et donc des chercheurs comme Porter, par exemple, au Canada, ont préféré parler d'une mosaïque verticale pour mettre en évidence les rapports de classe qui s'exercent à l'intérieur de cette grande mosaïque canadienne. Le Canada, et c'est un peu, je rejoins ici le titre de ma présentation ce soir, le Canada se veut et est perçu comme un modèle pour la gestion de ses minorités. Il se présente lui-même, il s'auto-représente lui-même comme un modèle. Notre Cour suprême, pour ne donner que cet exemple, a déclaré dans un jugement en 2004 que le Canada était de bien des façons un exemple pour d'autres sociétés. Et à l'extérieur, du Canada, le pays est vu également comme un leader. Les Nations Unies, par exemple, considèrent que le Canada est un leader sur le plan d'une politique d'État multiculturel. Donc un modèle. Mais la question que je pose, c'est, s'agit-il d'un modèle ou d'un laboratoire? Ce soir, donc, ma présentation comporte deux parties. La première est la plus substantielle. Elle consiste à vous présenter trois approches canadiennes pour la gestion, toujours entre guillemets, bien sûr, des diversités culturelles, mais aussi des diversités nationales. Et en guise de conclusion, j'émettrai quelques réflexions pour répondre à la question que je posais au départ. S'agit-il d'un laboratoire, d'un modèle ou peut-être d'une combinaison des deux? Alors,
partie la plus substantielle parce qu'elle va m'amener à vous décrire la façon dont au Canada et au Québec nous abordons les diversités, consiste à vous présenter trois approches différentes qui se veulent complémentaires mais qui parfois peuvent entrer en contradiction les unes avec les autres. Je m'explique. Je vais vous présenter d'abord ce diagramme qui expose de façon schématique, non pas trois, mais quatre approches canadiennes. Je ne parlerai pas de la dernière approche, celle que vous trouvez sur le bord de ma diapositive, qui consiste à traiter la question des minorités linguistiques françaises et anglaises. Si vous avez des questions sur cette question, sur cet aspect, je serai heureux d'y répondre. Je vais me concentrer sur les trois approches supérieures dans mon diagramme, à savoir la façon dont le Canada aborde la question des Premières Nations, la façon dont il aborde le Québec, et enfin la façon dont il aborde l'ensemble des droits humains, des derechos humanos, droits de la personne, comme on les appelle au Québec. Et donc ces trois approches sont l'objet de l'essentiel de ma présentation. Donc je vais commencer par ceux qui, historiquement, devraient avoir la priorité, les Premières Nations. Ce sont elles qui étaient là sur le territoire, bien avant que tout le monde y arrive, les Premières Nations. Dans le cas des Premières Nations, la politique canadienne et également le droit au Canada favorisent une approche fondée sur la reconnaissance des droits collectifs des nations autochtones. Les Premières Nations canadiennes sont relativement peu nombreuses en chiffres absolus, représentent environ 3% de la population canadienne, qui est, si je ne m'abuse, de 35 millions à peu près aujourd'hui, 3%. Et le gouvernement reconnaît 600 bandes indiennes. Je précise que le vocabulaire « bande » n'a pas de connotation péjorative ici, puisqu'il désigne les zones territoriales qui sont officiellement reconnues par l'État canadien et auxquelles l'État accorde une certaine un droit de s'auto-gouverner jusqu'à un certain point. Donc, il ne s'agit évidemment pas de bandes criminelles dont on parle ici, c'est le vocabulaire qui est utilisé dans la loi canadienne sur les Indiens. Donc, 600 bandes indiennes sont reconnues. Ces populations des Premières Nations sont caractérisées par une extrême pauvreté pour la plupart d'entre elles. Surtout, plus on s'éloigne des grands centres urbains et plus on remonte dans les régions éloignées, notamment dans le Grand Nord canadien, la pauvreté saute aux yeux. C'est un peu le tiers-monde du Canada. Pauvreté, marginalisation également, sociale, politique. Un certain nombre de membres des nations autochtones habitent dans les grands centres urbains où ils sont encore plus pauvres et plus marginaux du fait de leur isolement par rapport à leur communauté. Il faut savoir qu'au 19e au 20e siècle, la politique officielle du gouvernement était une politique d'assimilation à leur endroit. On ne voyait pas la nécessité de préserver l'existence de ces nations en tant que nations. Et donc, la loi sur les Indiens, qui est en vigueur depuis un siècle et même plus, a longtemps privilégié une approche d'assimilation qui se traduisait par des traités qui étaient conclus entre l'État canadien et diverses nations, mais dans un rapport de force inégal. Ces traités, on les appelle aujourd'hui les traités inégaux, étaient très négatifs pour ces nations autochtones puisqu'elles leur niaient à toute fin utile tout droit de se gouverner elles-mêmes et qu'elle les plaçait dans une situation d'extrême dépendance par rapport à l'État canadien. C'est également dans cette même perspective que le Canada a créé ce qu'on appelle aujourd'hui encore des réserves indiennes, c'est-à-dire les territoires dans lesquels seuls les Indiens en principe peuvent habiter, mais qui se révèlent extrêmement problématiques parce que ces réserves indiennes n'ont pas tous les outils dont elles devaient disposer pour se développer, notamment sur le plan économique. Bref, il s'agit d'une gouvernance paternaliste qui a été incorporée dans la loi canadienne elle-même, à tout le moins jusqu'au milieu du 20e siècle environ. C'est dans ce contexte qu'en 1982, lorsque la Constitution canadienne a été modifiée pour garantir les droits et libertés fondamentaux,
qu'on a ajouté à la Constitution un article qui prévoit que les droits ancestraux et les droits issus de traités des Premières Nations étaient reconnus et confirmés, c'est-à-dire garantis par la Constitution. J'ai souligné ici deux catégories de droits, les droits ancestraux et les droits issus de traités. Je vais revenir bientôt sur cette distinction. Pourquoi avons-nous reconnu dans la Constitution canadienne les droits ancestraux? La Cour suprême du Canada, qui est notre tribunal suprême, a expliqué que la présence de ces garanties constitutionnelles propres aux Premières Nations s'expliquait par l'antécédence historique de leur présence sur le territoire. Ce sont les peuples autochtones qui étaient là les premiers, nous a dit la Cour suprême, et c'est pour cette raison que les peuples autochtones doivent être distingués de tous les autres groupes minoritaires du pays, que ce soit les Québécois ou les minorités récemment arrivées. Donc c'est en raison de cette priorité d'occupation historique du territoire que la Constitution leur reconnaît des droits qui n'appartiennent qu'à eux. Ce sont des droits collectifs, ce que je vais essayer de vous expliquer un peu maintenant. À quoi peut ressembler un droit ancestral? Dans les années 1990, un Indien appartenant à une des 600 bandes indiennes du Canada, M. Sparrow, a été poursuivi pour avoir pêché du poisson avec un filet trop grand, plus grand que ce que permet la loi aux pêcheurs. Il a invoqué pour sa défense que le fait de pêcher avec un grand filet était un droit que sa nation autochtone avait exercé de tout temps, et donc qu'il s'agissait d'un droit ancestral, garanti par la Constitution, qui devait donc recevoir priorité sur le droit pénal ordinaire en vigueur au Canada. Donc la question très concrète posée était de savoir si le droit de pêcher avec un grand filet était garanti par la Constitution canadienne. Et la Cour suprême a eu recours dans cette affaire, c'est très intéressant, non pas à une analyse juridique, mais plutôt à l'anthropologie, à l'histoire. Elle a fait témoigner, les tribunaux inférieurs ont fait témoigner des experts dans l'histoire, des experts, des anthropologues, qui ont témoigné que, dans le cas précis de cette nation, effectivement, les Autochtones avaient de tout temps exercé la pêche avec un grand filet, et donc il s'agissait bel et bien d'un droit garanti par la Constitution. Donc voilà un exemple de droit ancestral. Il y avait cette deuxième catégorie de droits qui sont les traités. J'ai parlé tout à l'heure des traités inégaux. Il n'y a plus de traités inégaux qui sont négociés. Certains sont encore en vigueur, ce sont de vieux traités. Et maintenant, on privilégie des traités plus modernes qui sont négociés en principe d'égal à égal entre les gouvernements canadiens, fédéraux, provinciaux et les diverses nations autochtones. Un exemple de traité moderne, c'est le traité qui a été conclu en l'an 2000 avec une nation qui s'appelle la nation Nisga'a, située dans l'extrême ouest du Canada, près de la côte pacifique. Vous voyez peut-être sur le diagramme ici la petite zone en rouge. C'est la zone couverte par le traité Nisga'a. Eh bien, ce traité crée un gouvernement autonome pour la nation Nisga'a qui a compétence sur la citoyenneté indigène, donc sur le droit de se réclamer d'une nation indienne et d'en tirer les avantages qui en découlent. Compétence également sur la langue Nisga'a, sur sa culture, avec toutefois des garanties pour les standards prévus par les lois provinciales ou fédérales. Et également des garanties visant à ce que les lois adoptées par la nation Nisga'a respectent quand même la Constitution canadienne, notamment les droits fondamentaux. On a ici une allusion assez directe au fait que les traités modernes peuvent entrer en tension, peut-être même en contradiction parfois, avec certains droits fondamentaux. Donc, il faut exercer une certaine vigilance à cet égard. Je reviendrai sur ces questions maintenant. Les tensions avec les autres droits humains. L'une des tensions qui peut exister,
c'est la tension qui peut se révéler entre l'appartenance collective à une nation et les droits individuels, par exemple le droit des femmes qui appartiennent à ces nations autochtones. Une illustration de cela, dans les années 1970, la loi canadienne prévoyait que les femmes autochtones qui épousaient un homme blanc perdaient leur statut d'indienne et par conséquent perdaient le droit d'habiter sur le territoire d'une réserve. Elles devaient donc quitter leur réserve avec leur mari, avec leurs enfants, et elles étaient privées d'avoir une vie collective avec les autres membres de leur nation. Ce n'était pas les nations elles-mêmes qui avaient prévu ces règles-là, c'était la loi fédérale canadienne. Elle a été contestée, cette loi, et les Nations Unies, en 1981, ont demandé au Canada de modifier cette loi. Elle a été modifiée en ce sens, mais les problèmes de discrimination, notamment à l'endroit des femmes, continuent, puisqu'il arrive que certaines nations indiennes adoptent des règles de citoyenneté autochtone qui paraissent à plusieurs comme étant discriminatoires, notamment à l'endroit des femmes. Donc, la loi a bel et bien été modifiée, mais des problèmes de discrimination continuent de subsister. Cela illustre, selon moi, la tension qui peut exister entre cette appartenance collective et certains droits fondamentaux. Est-ce qu'il est possible de tirer des leçons de cette expérience canadienne, qui est assez récente? Rappelons-nous que la consécration des droits ancestraux et des droits issus de traités n'est vieille que de 33 ans. S'il y a des leçons à tirer, c'est que dans le contexte canadien, à tout le moins, il était nécessaire de consacrer ces droits collectifs pour réparer une injustice historique qui continue de se manifester. Les Autochtones, collectivement, sont toujours presque aussi pauvres et marginaux qu'ils l'étaient. Mais ils ont au moins acquis avec ces droits collectifs un certain contrôle sur leur avenir. Une deuxième leçon qu'on tire de l'expérience canadienne, et je pense qu'on peut vraiment parler dans le laboratoire ici, c'est que la mise en œuvre de ces droits collectifs pose parfois des difficultés politiques et même juridiques, puisque la conclusion d'un traité avec les nations autochtones est une chose extrêmement complexe, qui donc suppose des négociations, des désaccords, et parfois même des désaccords à l'intérieur des nations autochtones, qui ne s'entendent pas nécessairement toujours sur le contenu d'un traité avec le gouvernement canadien. Les femmes autochtones, par exemple, sont parfois en opposition à leurs autorités politiques, la plupart du temps contrôlées par les hommes, parce qu'elles craignent qu'un traité qu'on s'apprête à conclure soit discriminatoire à leur endroit. Donc des difficultés politiques, des difficultés juridiques également, puisque les droits ancestraux, les premiers dont je parlais, eh bien, qui les constate, ces droits ancestraux? Ce sont les tribunaux. Et donc, pour reconnaître un droit ancestral, il faut parfois prendre la peine de saisir un tribunal de cette question-là. Et vous connaissez le processus judiciaire, vous savez comme moi qu'il est long, il coûte cher. Et donc, ce n'est pas facile de faire reconnaître des droits ancestraux. Difficultés juridiques, donc, aussi. Et enfin, troisième leçon, reconnaître des droits collectifs, dans ce cas-ci, aux nations autochtones, ça pourrait valoir pour d'autres droits collectifs aussi, peut entrer en tension parfois avec certains droits individuels. Voilà donc la première approche canadienne, celle des droits collectifs des Premières Nations. La deuxième approche concerne, et je suis toujours l'ordre historique d'arrivée des minorités, le Québec, pour lequel le Canada a adopté une approche territoriale basée sur le modèle fédéral. Donc, le fédéralisme et le Québec. Voici la Fédération canadienne. 10 provinces, 3 territoires. Le Québec est l'une des 10 provinces. Vous le voyez ici en bleu sur la carte.
Le Québec est une minorité au sein du Canada sur le plan linguistique. Il compte environ 80% francophones, alors que dans l'ensemble du Canada, les francophones ne représentent qu'environ 20% également, grosso modo. Donc le Québec est majoritairement francophone, mais il constitue une minorité au sein du Canada. On pourrait ajouter, si on voulait donner un portrait complet, que le Québec a longtemps été une minorité sur le plan religieux aussi, puisqu'il est surtout composé aujourd'hui encore de catholiques, alors que le reste du Canada est surtout composé de protestants. Le facteur religieux est moins important maintenant, c'est vraiment l'aspect linguistique qui a pris le dessus dans la définition que se fait le Québec de sa propre identité. Une minorité donc. Pourquoi a-t-on adopté le modèle fédéral pour régir le statut de cette minorité? On a voulu, par le régime fédéral, en 1867, lorsque le Canada a été créé, répondre aux revendications culturelles, identitaires, du Québec. C'est encore une fois la Cour suprême du Canada. Beaucoup de questions au Canada sont réglées par les tribunaux. Et notamment, la Cour suprême s'est prononcée sur une éventuelle sécession du Québec. Et dans cet avis de la Cour, on fait une analyse historique de la raison d'être du fédéralisme canadien. La Cour suprême, donc, nous dit que le principe du fédéralisme facilite les objectifs collectifs des minorités culturelles ou linguistiques qui sont la majorité dans une province. C'est le cas au Québec. En fait, ce n'est le cas que au Québec. C'est le cas au Québec où la majorité de la population est francophone et possède une culture distincte. Ça se passait en 1867, ce choix. Et donc, le modèle fédéral se voulait une réponse à l'existence d'une minorité culturelle. Depuis 1867, évidemment, le fédéralisme canadien a évolué. C'est un fédéralisme symétrique. Toutes les provinces ont les mêmes pouvoirs, selon la Constitution. Ce n'est pas un fédéralisme à la carte, ni même un fédéralisme asymétrique. Par contre, il existe une théorie et même une pratique du fédéralisme dit coopératif qui, par des voies administratives plutôt que constitutionnelles, permet parfois au Québec d'exercer certains pouvoirs ou responsabilités que les autres provinces n'exercent pas ou même ne veulent pas exercer. Je pense en particulier au contrôle sur l'immigration, qui a été délégué en partie par un accord administratif conclu entre le gouvernement canadien et le gouvernement québécois. Le fédéralisme coopératif. Il existe par contre des tendances assez lourdes sur le plan proprement juridique, des tendances assez centralisatrices. Je vais vous épargner les détails ici, mais diverses théories ont été construites par les tribunaux canadiens qui ont fait en sorte, depuis un siècle à peu près, de renforcer le pouvoir du gouvernement central et de marginaliser dans une certaine mesure les pouvoirs des provinces, y compris les pouvoirs du Québec. Pour le Québec, un aspect particulièrement controversé a été le dernier que j'ai mentionné ici, le rapatriement unilatéral de la Constitution de 1982. Il s'agit d'un geste politique extrêmement important qui a été fait en 82, qui consistait à faire en sorte que la Constitution canadienne puisse être modifiée par le Canada lui-même, sans passer par l'accord du Parlement de Londres, puisque jusqu'en 1982, il fallait que le Parlement britannique modifie la Constitution canadienne. Le Canada ne pouvait pas le faire lui-même. On a donc, en 1982, rapatrié au Canada, ce qui est dans un pays souverain, la Constitution. Mais le Québec s'est opposé, continue de s'opposer à ce geste, puisqu'il craignait que le rapatriement compromette sa capacité d'adopter des lois pour défendre la langue française. Je vais revenir un petit peu plus tard sur cet aspect-là. Dans les années 80-90, deux référendums ont été tenus au Québec, démocratiquement parlant, des référendums qui se sont tenus dans les règles, le gouvernement fédéral le reconnaît aussi, et
Bon, si en 1980, la réponse était assez clairement non, en 1995, la réponse était presque oui. Et donc, la question demeure aujourd'hui encore d'actualité. Alors, qu'arriverait-il si le Québec, un jour, voulait devenir un pays souverain, s'il voulait faire sécession? La Cour suprême, ici encore, est venue clarifier les règles du jeu dans un avis de 1998 qui satisfait à la fois les tenants de l'indépendance et les tenants du modèle fédéral. Tout d'abord, la Cour suprême reconnaît le principe démocratique. Elle reconnaît qu'une majorité claire, entre guillemets, parce que ce sont les mots employés par la Cour, en réponse à une question claire, conférera une légitimité démocratique à la sécession. Et que, si ces conditions sont remplies, il devra y avoir des négociations entre le Québec et le Canada en vue de l'accession à la souveraineté. Voilà deux éléments qui satisfont les tenants de l'indépendance du Québec. Par contre, la Cour suprême nous dit que le Québec, qui s'est beaucoup développé au 20e siècle, n'est pas, peut-être n'est plus, un peuple colonial ni opprimé, même si, à bien des égards, il s'agit d'un peuple au sens sociologique. Ce n'est pas un peuple opprimé ni colonial. Et donc, il ne peut pas invoquer le droit international pour réclamer le droit de faire sécession. Et en définitive, la Cour dit, eh bien, si jamais le Québec décidait unilatéralement de faire sécession, eh bien, le succès de cette déclaration dépendra de la réaction de la communauté internationale. Voilà le cadre juridique établi en 1998 par la Cour. Depuis, en 1990, il y avait une tentative intéressante pour reconnaître le caractère distinct du Québec au sein du Canada, quitte à lui donner pour cela une certaine autonomie plus grande que les autres provinces. On se dirigeait peut-être vers un fédéralisme asymétrique. Eh bien, cette tentative a échoué pour des raisons que je ne détaillerai pas ici. Il n'y a pas eu d'entente sur cet aspect. Et donc, le Québec, aujourd'hui, encore, n'est pas formellement reconnu comme étant une société distincte au sein du Canada. Pour sa part, le gouvernement canadien, pour donner suite à l'avis de la Cour suprême qui parlait d'une majorité claire à une question claire, a adopté une loi qu'on appelle dans le vocabulaire de tous les jours la loi sur la clarté référendaire, qui vise justement à encadrer juridiquement une éventuelle déclaration d'indépendance du Québec. Le Québec continue de rejeter la nouvelle constitution de 1982, mais il est légalement obligé de la respecter. Et depuis 25 ans, aucun nouveau développement constitutionnel n'a été obtenu en raison de ce blocage politique entre le Québec et le Canada dans son ensemble. Alors, un peu comme je le faisais pour les Premières Nations, j'essaie de tirer quelques leçons de l'expérience canadienne du fédéralisme en tant que moyen, n'est-ce pas, n'oublions pas de respecter la diversité. La pratique d'un fédéralisme coopératif est un élément positif. Par contre, le fédéralisme symétrique que nous connaissons, assez centralisateur, a peut-être prouvé ses limites, en tout cas d'un point de vue québécois. Il a prouvé ses limites, c'est pourquoi il est remis en question, non pas par une majorité de la population au Québec, mais par une minorité substantielle. Et l'impact du blocage constitutionnel dont je parlais se fait sentir sur les débats que nous avons actuellement au Québec, sur la troisième approche dont je n'ai pas encore parlé, l'approche axée sur les droits fondamentaux, sur les droits humains. Et je vais m'expliquer là-dessus dans la prochaine section de ma présentation. Une approche, donc, fondée sur les droits humains. Cette approche, bien sûr, ne vise pas une minorité en particulier. Elle ne vise pas les groupes non plus. Elle vise les individus. Les droits humains sont reconnus à des personnes en tant qu'êtres humains, indépendamment de leur appartenance culturelles, religieuses, ethniques. Il faut peut-être rappeler des choses que même au Canada, nous avons tendance à oublier.
l'histoire canadienne n'est pas parfaitement sans tache en ce qui concerne les minorités, notamment les minorités ethniques. Par exemple, au 19e siècle, lorsque le Canada a eu besoin d'une main-d'œuvre asiatique pour construire le chemin de fer qui est à l'origine de la création du Canada, il fallait construire une voie ferrée qui s'étendrait du centre du Canada jusque vers l'ouest, et il fallait pour cela détruire les montagnes, dynamiter des montagnes, construire des tunnels, il fallait une main-d'œuvre spécialisée, ou à tout le moins une main-d'œuvre qui acceptait de travailler dans des conditions très difficiles. On a fait venir des travailleurs chinois. On les a exploités. Certains et plusieurs sont morts dans ces conditions difficiles. Et lorsqu'on n'a plus eu besoin d'eux, on a fermé la porte à l'immigration, sauf pour ceux qui étaient prêts à payer une taxe à l'immigration qui s'élevait à 500 $. Une somme énorme aujourd'hui encore et encore plus énorme au 19e siècle. Donc des restrictions à l'immigration asiatique, des restrictions au droit de vote des Asiatiques dans certaines provinces canadiennes aussi, dans l'Ouest canadien notamment. Des pratiques discriminatoires, bref. Et on pourrait dire la même chose au 20e siècle à propos du traitement qui a été reconnu aux Canadiens d'origine japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été forcés de vivre dans les camps de concentration pendant toute la durée de la guerre, et même après la guerre pendant presque une année. Et leurs biens ont été confisqués et vendus à des autres Canadiens. Alors, un passé discriminatoire qui est au fond le même que celui que bien des nations occidentales. Aujourd'hui, pour gérer, entre guillemets toujours, ces questions minoritaires, le Canada dispose d'un principe inscrit dans sa constitution, l'interprétation multiculturelle des droits. Toute interprétation des droits fondamentaux doit concorder, nous dit la Constitution, avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. C'est un principe d'interprétation des droits fondamentaux qui conduit à des résultats parfois. Il y a une jurisprudence multiculturaliste inspirée de cette disposition, dont voici un exemple très connu au Québec. Une affaire dans laquelle un adolescent de 13 ans qui fréquentait une école publique désirait porter à l'école un kirpan, c'est-à-dire ce couteau que vous voyez ici, que portent les sikhs, c'est-à-dire les adhérents de la religion sikh, qui sont tenus par leur religion de porter ce kirpan sur eux toute la journée. Alors cet élève, qui s'appelait Multani, était prêt à porter son kirpan d'une manière sécuritaire. Il était prêt à le porter enveloppé dans un tissu cousu et porté sous son pantalon, de façon à ce qu'il ne tombe pas par terre. Et donc, il s'agissait d'une façon très sécuritaire de porter. L'école qu'il fréquentait, cependant, refusait qu'il porte le kirpan à l'école, au motif que le règlement de l'école interdisait le port d'armes. Donc, il s'agissait d'un conflit apparent entre la sécurité à l'intérieur des murs de l'école et la liberté religieuse de cet élève. Comme dans bien des cas chez nous, l'affaire s'est retrouvée devant les tribunaux et elle est allée jusqu'en Cour suprême du Canada, qui a rendu en 2006 une décision assez controversée au Québec notamment, dans laquelle la Cour a reconnu que cet élève avait le droit de porter un kirpan à l'école. La Cour a estimé que rien ne permettait de croire que ce kirpan pouvait être porté d'une manière dangereuse. Aucun incident impliquant un kirpan n'a été relevé au Canada ni aux États-Unis depuis plus de 50 ans. Donc, absence de risque pour la sécurité, la Cour considère qu'il est tout à fait possible de porter le kirpan d'une manière sécuritaire. Elle ajoute que l'école doit éduquer les autres élèves au respect des droits fondamentaux de Multani, et elle ajoute, malheureusement j'ai oublié de traduire passage ici, elle ajoute que s'il fallait interdire le kirpan,
eh bien, ça porterait atteinte à des valeurs comme celles du multiculturalisme. Ici, on voit que l'interprétation multiculturelle des droits sert à quelque chose. À tout le moins, elle sert, sur le plan rhétorique, à justifier la décision de la Cour de permettre le port du cas. Nous avons un autre concept que l'interprétation multiculturelle, qui est celui de l'accommodement raisonnable. C'est un concept qui est à la fois très récent et très ancien. Sur le plan de la philosophie, on peut remonter jusqu'à Aristote, qui voyait l'égalité comme exigeant parfois de traiter différemment des personnes qui sont différentes, pour respecter leur différence. Pour lui, traiter tout le monde de la même façon, ce n'est pas nécessairement traiter tout le monde de façon égale. Donc, cette façon de voir les choses, c'est l'être de noblesse. Les lois au Canada, depuis une trentaine d'années environ, reconnaissent qu'il faut parfois, pour respecter la différence, accommoder raisonnablement cette différence. C'est en fait, pour nous, pour les juristes canadiens, une conséquence du droit à l'égalité. Et ici, nous nous fondons, comme on le faisait remarquer tout à l'heure, sur des notions comme la discrimination directe, que les juristes européens connaissent aussi. Un exemple concret de l'accommodement raisonnable, cette photo que vous avez ici, où nous voyons deux agents de la gendarmerie royale canadienne, nos fameux policiers à cheval, qui sont une image de marque du Canada à travers le monde. L'uniforme réglementaire prévoit qu'il faut porter le chapeau que porte le policier à droite, mais on permet également, au nom de l'accommodement raisonnable, à des policiers de porter un turban sikh. C'est une forme d'accommodement qui découle du principe que nous énonçait Aristote il y a 2000 ans. La question des accommodements religieux est extrêmement débattue actuellement, au Québec en particulier. À la Commission des droits de la personne du Québec, où j'ai travaillé pendant de nombreuses années, on a voulu évaluer le genre d'accommodements religieux qui sont demandés. C'est assez instructif de voir qu'est-ce qu'on obtient, qu'est-ce qu'on demande au titre de l'accommodement raisonnable. Et bien, dans l'ensemble des demandes qui étaient soumises à la Commission, environ la moitié, 46%, consistait à demander qu'on adapte un horaire de travail ou encore un calendrier d'examen, par exemple, à la situation religieuse de certaines personnes. Parfois aussi à leur permettre de s'absenter d'un cours, d'une journée de travail, pour observer un rite religieux quelconque. Parfois, il s'agissait au contraire d'exempter une personne d'une pratique ou d'une activité qui serait contraire aux convictions religieuses de cette personne. Dans certains cas, de leur permettre de porter un vêtement comme le turban sikh ou un accessoire religieux comme le kirpan. Et parfois, donc, il s'agissait tout simplement d'adapter un service public aux besoins religieux de telle personne. Le Québec est en train, depuis quelques années, de débattre d'une façon très passionnée parfois de ces accommodements raisonnables. Et je pense qu'il est utile de voir sur quoi reposent ces débats, sur quoi ils portent aussi. Alors, ce débat, il est en cours depuis 2006 environ. À cette époque, les journaux canadiens ont rapporté, de façon assez sensationnaliste parfois, des cas d'accommodement déraisonnables, selon eux. Ça a créé, dans le public canadien, québécois surtout, un certain malaise face aux accommodements raisonnables. Certains acteurs politiques ont vu cette question comme pouvant être utile politiquement et ont fait de la question des accommodements déraisonnables un cheval de bataille politique. L'opinion publique elle-même était inquiète, disons, pour quelques motifs. Notamment, certains voyaient dans les accommodements religieux une violation du principe de séparation
entre l'Église et l'État. Un principe qui n'est pas formellement garanti par la Constitution au Canada ni au Québec, mais qui est quand même un principe politiquement reconnu et partagé par la population. Donc, est-ce que les accommodements religieux portent atteinte à la séparation entre l'Église et l'État? Est-ce qu'ils peuvent porter atteinte aux droits des femmes? Parce que la religion, parfois, est plutôt sexiste, nous le savons. Et pour certains, également, les accommodements religieux étaient une manifestation, parmi d'autres, du multiculturalisme canadien. Et cette dernière critique, nous la retrouvons surtout chez les tenants de l'indépendantisme québécois. Je vais revenir d'ailleurs plus tard là-dessus parce que c'est assez important. En 2007, pour répondre à ce malaise, le gouvernement québécois a créé une commission de consultation sur les accommodements culturels, mais surtout religieux, qui s'est appelée la commission Bouchard-Perrot. Ce fut un exercice de consultation extrêmement riche et extrêmement public aussi. La commission a tenu 31 jours d'audition dans toutes les régions du Québec. Ces audiences ont été transmises en direct à la télévision nationale. Et on peut parler d'un exercice de consultation extrêmement fréquenté. La commission a rendu son rapport public en 2008 et les principaux éléments, je vais résumer ici bien sûr, sont les suivants. Bien, la commission a conclu que malgré ce que les médias avaient présenté comme étant la réalité, il n'y avait pas vraiment de crise des accommodements raisonnables, tout au plus une crise de perception. Bien sûr, en politique, la perception est une réalité. Mais la conclusion de la commission, c'était que les accommodements religieux pouvaient être gérés par les intervenants, par les acteurs, de façon tout à fait correcte sur le terrain. La commission également recommandait, en ce qui concerne la séparation entre l'Église et l'État, une forme de laïcité ouverte qui serait donc ouverte à l'endroit de l'expression des croyances religieuses dans les institutions publiques. Par exemple, un élève pourrait avoir le droit de porter un vêtement religieux. Ce serait une forme d'expression purement individuelle d'une croyance religieuse qui ne porte pas atteinte à la séparation entre l'Église et l'État. Finalement, le rapport de Charles Taylor recommande non pas le multiculturalisme canadien, qu'il juge mal adapté à la situation québécoise, mais plutôt l'interculturalisme. Or, il existe des visions différentes de l'interculturalisme. Ne serait-ce que les deux que vous voyez ici à l'écran. Gérard Bouchard, qui est l'un des deux auteurs du rapport Bouchard-Perrot, a écrit un livre sur l'interculturalisme. Il est venu ici l'année dernière, n'est-ce pas, pour parler de ce sujet. Dans son livre de 2012, intitulé « L'interculturalisme, un point de vue québécois », il présente l'interculturalisme comme un équilibre entre les droits des minorités et les intérêts de la majorité francophone du Québec. Un dialogue, selon lui, donc, entre une majorité et des minorités. Et au nom de cet équilibre, il est prêt à reconnaître parfois une primauté, une préséance ad hoc aux intérêts de la majorité culturelle. Alors que d'autres, québécois aussi, Bob White, par exemple, c'est le deuxième livre de 2014, L'interculturel au Québec, prend le contre-pied de la vision de Bouchard en disant qu'on ne peut pas donner de priorité comme il le fait à un groupe quelconque. Et continuer à dire que l'on a une vision interculturelle. Pour lui, l'interculturalisme n'a pas pour but de rassurer une majorité, ni même de permettre un dialogue entre elle et des minorités. Son but n'est pas de faire du nation building. Son but, plus modeste, mais c'est un anthropologue qui parle. Son but, ce n'est pas un politologue ou un historien. Son but à l'interculturalisme, c'est de gérer la coexistence et le dialogue des cultures, qu'elles soient majoritaires ou minoritaires, sans a priori en faveur d'une majorité. Ce débat n'est pas terminé. Continue d'avoir cours au Québec.
Pour compliquer les choses, en 2013, le gouvernement québécois qui était au pouvoir à ce moment a proposé une charte de la laïcité qu'il a rebaptisée plus tard charte des valeurs québécoises. Dont l'aspect le plus controversé, était d'interdire aux fonctionnaires de porter des signes qui manifestent une appartenance religieuse d'une manière ostensible. Et pour nous aider, le gouvernement avait même publié ce diagramme officiel où on voyait qu'à gauche, des petits signes religieux, pas très évidents, des signes modestes, comme une petite croix ou encore une bague, seraient permis. Mais que par contre, des signes ostensibles, comme une grande croix, un hijab, un turban, un niqab, une kippa, eh bien, ce seraient des signes interdits, parce que trop évidents. La conception de la laïcité mise de l'avant ici, c'est une laïcité qui s'inspire assez fortement du modèle français. En tout cas, ce n'est pas une laïcité ouverte, au sens où l'entendait le rapport du Charter. La charte a eu un assez fort appui dans la population au Québec. Cet appui venait d'une variété de secteurs de la population. D'abord, des laïcs républicains, appelons-les ainsi, qui voient la France comme un modèle à suivre en cette matière. Il y avait aussi des indépendantistes québécois, mais qui appartiennent peut-être davantage à la frange identitaire de l'indépendantisme québécois. Celle qui tient à l'identité traditionnelle canadienne-française. Plusieurs féministes, mais pas toutes, je reviendrai bientôt là-dessus, certains syndicats de fonctionnaires, mais pas tous, généralement les zones rurales et la population plus âgée. C'est un peu caricatural, mais ça aide à comprendre. Ceux qui s'opposaient à la charte, c'était des indépendantistes québécois, mais ceux qui appartiennent à la mouvance dite civique de l'indépendantisme. Ceux qui considèrent que tous les gens qui habitent au Québec sont des Québécois, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse ou autre. Il y avait également des laïcs, non pas républicains, mais des laïcs qui se présentent comme étant inclusifs, qui acceptent que donc les individus puissent porter des signes religieux dans les institutions publiques. Ce n'est pas le modèle français. Certains féministes que j'appelle ici post-coloniales, faute de mieux, ce sont des féministes qui tendent à dire que l'identité d'une femme ne se résume pas toujours à son sexe, mais qu'elle inclut également son bagage religieux, culturel, sa classe sociale, et ainsi de suite. Les syndicats basés à Montréal, qui est la ville la plus multi- ou interculturelle du Québec. Des institutions importantes, les avocats, la Commission des droits de l'homme, la plupart des universitaires, dont moi, la minorité anglophone et toutes les autres minorités. Alors, qu'est-il arrivé? Eh bien, il y a eu des victimes collatérales à ces grands débats. Les femmes musulmanes, en 2013-2014, plusieurs ont été victimes de discrimination, de harcèlement dans la rue. Et éventuellement, rien ne s'est produit, puisque le gouvernement qui a déclenché les élections en souhaitant se faire réélire, en misant sur l'appui populaire à la charte, eh bien c'était un très mauvais calcul, puisque cet appui, apparemment, ne s'est pas traduit en vote. Le gouvernement a subi sa pire défaite électorale depuis sa création et il a perdu le pouvoir aux mains des libéraux qui étaient opposés à cette charte. Alors, il reste encore des questions en suspens. Au Canada, au Québec aussi, par exemple, l'interdiction de la polygamie. C'est un crime au Canada, comme dans la plupart des pays occidentaux, que la polygamie. Mais certains polygames revendiquent le droit à la polygamie en invoquant leur liberté religieuse.
La Cour suprême va se pencher sur cette question dans la prochaine année, probablement. Faut-il réciter des prières dans les conseils municipaux, comme on le fait parfois? Encore ici, la Cour suprême doit se prononcer cette année. Faut-il permettre la présence d'un crucifix au Parlement, comme c'est le cas au Québec? Que veut dire la laïcité? S'agit-il d'une laïcité stricte, suivant le modèle français, ou d'une laïcité ouverte ou inclusive? Et qu'en est-il de l'interculturalisme que la commission Bouchard-Taylor présentait comme mieux adapté au Québec que le multiculturalisme canadien? Eh bien, l'interculturalisme, on a vu qu'il y avait des débats autour de cette idée. En quoi l'interculturalisme se distingue-t-il du multiculturalisme? Et y aurait-il plusieurs formes possibles d'interculturalisme? Ces questions ne sont pas réglées au Québec, elles continuent de faire l'objet de débats. Un débat qui n'est pas facile à mener, puisque nous manquons malheureusement, et c'est étrange parce que ça fait 30 ans que les accommodements raisonnables sont pratiqués au Canada, et bien après 30 ans, nous manquons encore d'études empiriques fiables sur la nature des accommodements demandés et obtenus, sur la fréquence des accommodements, sur qui sont les demandeurs d'accommodement. La perception populaire, c'est que les demandes d'accommodement viennent des musulmans. Les rares données dont nous disposons à la Commission des droits de la personne indiquent plutôt que les demandes d'accommodement nous viennent soit de catholiques pieux, soit de catholiques qui se sont convertis à des religions comme les Témoins de Jéhovah ou l'Église universelle de Dieu, qui sont des excroissances des grandes religions chrétiennes, mais qui sont extrêmement minoritaires. Mais nous n'avons pas le portrait global de la situation. Plus complexe encore, c'est l'amalgame qu'on observe dans les débats entre l'orthodoxie religieuse, le fondamentalisme, l'intégrisme, et le terrorisme. Je suis certain qu'on observe cet amalgame aussi dans la plupart des sociétés en Europe, probablement ici également. Le Québec ne fait pas exception. La spécificité québécoise, par contre, c'est l'instrumentalisation politique de ces questions, et notamment le fait que la question identitaire a été monopolisée par une partie, je dis bien une partie du mouvement indépendantiste québécois. Et il le fait parce que la question nationale du Québec n'est toujours pas réglée. J'ai parlé tout à l'heure du blocage constitutionnel québécois depuis 25 ans. Je pense qu'une partie du malaise que des Québécois éprouvent à l'endroit des accommodements raisonnables disparaîtrait si un jour la question nationale du Québec était réglée. Ça ne veut pas dire nécessairement la souveraineté, la sécession du Québec, mais ça voudrait dire minimalement une reconnaissance plus explicite du fait que le Québec est une société distincte à l'intérieur du Canada. Mais nous n'en sommes pas là. Donc, comme pour les deux premières approches, peut-on tirer des leçons de l'expérience québécoise et canadienne quant à l'approche fondée sur les droits de la personne? Eh bien, elle protège les droits des minorités, oui, mais sur une base individuelle. Ce sont les personnes qui sont protégées, ce ne sont pas les groupes. Par conséquent, cette approche n'apporte rien en soi à la solution des problèmes des minorités historiques ou des minorités nationales. Et à l'intérieur même du discours des droits de l'homme, des droits de la personne, il y a encore beaucoup de débats, enfin, notamment sur le sens de la laïcité, par exemple. En guise de conclusion, je ne veux pas conclure parce qu'on ne peut pas tirer de conclusion, ce serait trop facile, à mon avis, de prétendre tirer des conclusions ou de donner des leçons, des lignes de conduite. Est-ce que le Québec et le Canada sont des modèles ou, plus modestement, des laboratoires en matière de gestion des diversités? Pour aborder cette question, il faut d'abord prendre conscience des différences qui existent entre les débats québécois, canadien, et les débats que vous connaissez en Europe et notamment ici. Le Canada n'a pas de passé colonial.
contrairement à d'autres pays, je pense à la France, mais d'autres aussi, bien sûr. Au Canada, ainsi qu'au Québec, l'immigration fait partie de l'identité nationale. Ce sont des États qui se définissent comme des pays d'immigration. Les États-Unis aussi. Ce sont de nouvelles nations. Et je pense que ça influence aussi l'auto-perception de ces nations. Nous avons des nations autochtones indigènes sur notre territoire, ce qui est une particularité de l'Amérique du Nord et de certains pays comme l'Australie. Nous avons notre structure constitutionnelle fédérale. Et je suis très prudent quand je parle de ça ici en Espagne, parce que je sais que l'Espagne n'est pas une fédération, mais qu'il existe le modèle des autonomies qui, à certains égards, se rapproche un peu d'un État fédéral sans en être. Et nous avons, ici c'est le juriste en moi qui parle, une approche juridique typiquement nord-américaine de la discrimination, qui nous fait reconnaître la discrimination directe et l'accommodement raisonnable qui en découle. Les concepts en usage en Europe ne sont pas nécessairement les mêmes pour les juristes. Et malgré tout ça, les débats canadiens et européens sont un peu parlants tout de même, puisque les défis sont communs. Comment gérer, entre guillemets, la diversité culturelle, religieuse, ethnique, parfois aussi la diversité nationale. Dans le cas du Canada, c'est le Québec. Dans le cas de la Grande-Bretagne, c'est l'Écosse. Dans le cas de l'Espagne, la Catalogne, le Pays Basque. Et on pourrait peut-être imaginer d'autres pays aussi. La Turquie avec une minorité kurde, par exemple, mais c'est beaucoup plus complexe encore là-bas. Alors, dans les éléments communs, il y a ce défi. Il y a aussi un patrimoine juridique commun, au-delà des systèmes de droit civil, de common law. Nous avons ce bagage commun qu'on appelle les droits fondamentaux, qui font partie des sociétés, de la tradition, de la pensée occidentale depuis quelques siècles. Donc, un besoin d'échange, de comparaison entre les sociétés. Et pour répondre à la question que je me posais moi-même au début, le Québec, le Canada sont-ils des modèles ou des laboratoires? Certainement des laboratoires, puisque tous ces concepts, toutes ces approches sont relativement récentes, à l'exception du fédéralisme qui est plus ancien, mais l'évolution du fédéralisme aussi, elle est récente. L'approche sur les droits humains, récente, chez nous en tout cas, une quarantaine d'années à peu près. L'approche sur les droits collectifs, une trentaine d'années. Donc tout cela est encore en évolution. On ne peut pas en faire un bilan. Hein. C'est, à tout le moins, ce sont des laboratoires. Peut-être que ce sont des modèles aussi, mais je vous laisse en juger. Merci. Bien, muchas gracias. Tenemos ahora unos minutos para plantear cuestiones, plantear dudas. Yo, mientras no se pronuncia nadie pidiendo la palabra, porque vamos a esperar al micrófono, claro. Perdón, esperamos al micrófono. Mientras tanto, yo quería plantear dos cuestiones que son simplemente dos peticiones de aclaración sobre uso de término. La primera es sobre una cuestión de información. A la hora de explicar las tomas de posesión, de posesión conservada, exacto, de Valer, ya dice la noción de feminista postcolonialista. Alors il s'agit, à mon avis, d'une expression pas tellement courante chez nous. Et qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il s'agit de féministe postcolonialiste? Car moi, je dois avouer ma ignorance concernant ce type de prise de position. La deuxième, par contre, c'est une demande de renseignement, de des informations.
présentation concernant le processus ou la procédure des nominations, si on pourrait le dire, ou pas, pour choisir les imams musulmans. Car chez nous, à l'Europe, il y a pas mal de débats sur ces propos. Vous le savez qu'il y a eu, de la part notamment de la France, une prise de position pour dire on va négocier avec les conseils représentatifs des cultes musulmans pour tenter de voir si on pourrait en quelque sorte orienter ces imams du point de vue de la tradition républicaine, pour dire au grand. Et par rapport à l'Espagne, on a pas mal discuté, mais à mon avis, sans des résultats clairs et positifs, autour des soi-disant risques de la formation pratiquement unilatérale et majoritaire de caractère bahaïste, disons, payé de la part des saoudites, qui ont fourni la formation d'une part très importante de ces imams qui appartiennent à une tradition, vous le savez, la plus fondamentaliste à l'islam, le bahaïsme. Par contre, la tradition malékite, islamiste malékite, qui serait la tradition la plus importante au groupe des musulmans maghrébins qui viennent du Maroc, je dis à l'Espagne, très précisément, c'est-à-dire l'immigration d'origine marocaine et de confession islamiste est plutôt malékite. Les malékites ont les chefs spirituels, vous les savez, c'est le roi du Maroc. Alors il y a des traditions différentes. Et en Espagne, il y a une discussion au sein de différentes commissions. Moi, je sais que nos collègues ici présents connaissent bien ces démarches pour dire comment est-ce qu'on peut orienter les processus de recrutement et de formation des imams pour tels que soient plus ouvertes, plus attentives à nos valeurs républicaines, au cas de la France constitutionnelle, si on dit chez nous, même si personne ne sait exactement ce que ça veut dire du point de vue religieux, tout justement, car nous sommes en état presque professionnel, et on dirait le patrimoine multiculturaliste au cas du Canada. Ça serait les deux questions, disons, très, très. Dû à ma ignorance par rapport à ces éléments au Canada. Okay. Je vais commencer avec la question des féministes postcoloniales. Je viens d'Amérique du Nord et c'est une terminologie qui, peut-être vous pourrez me corriger si je me trompe, parce que vous connaissez bien la théorie féministe du droit, mais on appelle féministes postcoloniales en Amérique du Nord des féministes qui, historiquement, sont apparues chez les femmes noires dans les années 70-80, qui refusaient de s'identifier tout à fait aux féministes blanches et tout à fait aux hommes noirs, en disant que du fait qu'elles avaient en elles, sur elles, deux caractéristiques stigmatisantes, qu'elles connaissaient une forme d'oppression qui leur est propre. Et donc, qui refusaient qu'on aborde leur situation uniquement à la manière des féministes mainstream américaines. Peut-être que le terme post-colonial féministe n'est pas approprié en dehors des États-Unis. Très lissable, je crois, européen. Oui, peut-être que c'est certainement pas très répandu, je crois. Mais c'est ce que j'entendais oui, dans le féministe post-colonial. Peut-être que vous pouvez ajouter ça. Quant à la nomination des imams, il n'y a pas de nomination des imams au Canada, au sens où l'État reconnaîtrait tel ou tel imam comme étant le représentant de telle ou telle congrégation ou communauté.
En fait, c'est un laisser-faire total qui existe chez nous. Chaque personne peut se désigner imam, mais je précise quand même qu'on commence à se poser le même genre de questions qu'ici quant à la représentativité et aussi à la dangerosité possible de certains imams. Il y a deux semaines à peine, un individu qui se désignait lui-même comme un imam a voulu ouvrir un centre communautaire à Montréal après avoir tenu des propos extrêmement blessants à l'endroit des femmes. Et ça s'est retrouvé dans les journaux assez rapidement. La ville de Montréal a finalement refusé de lui mettre un permis en invoquant des problèmes de sécurité potentiels. Juridiquement, c'est problématique parce que probablement que rien n'autorisait la ville à refuser un permis dans ce cas-ci. Mais la pression politique était tellement forte que la ville a dû le faire. Tout ça pour dire que chez nous, l'État ne reconnaît pas l'imam, ne rémunère pas non plus les imams comme ça peut se faire dans certains pays comme la Belgique, ne rémunère pas les officiers du culte comme ça se fait parfois. Donc c'est un contexte assez différent. Assez différent. Alors, d'autres questions, Pierre? Bon, ça, ça marche pas, mais... Autrement, je sais pas si... Non, en fait, j'ai trois questions, mais vous pouvez choisir celle que vous préférez, si c'est trop. Donc, la première, vous avez parlé de la possibilité d'une tension entre le multiculturalisme envers les Premières Nations, les Autochtones, et les droits fondamentaux, surtout... dans le cas de la discrimination sexuelle et tout. Donc, j'aimerais savoir s'il y avait eu des cas devant les tribunaux canadiens où justement cette tension s'était manifestée, comment elles se sont résolues, puis quelles ont été les conséquences, si ça a été difficile peut-être de. Bon, finalement, si disons, les conseils de bande ont été condamnés, si les décisions ont été suivies et tout. Puis, parce que, bon, c'est sûr, on a toujours un peu la question de. Ce problème de la légitimité des tribunaux qui sont autorisés à appliquer les droits de l'homme dans des situations de multiculturalisme fort, disons. Et donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, si vous pensez, comme juriste, qu'il y a une grande différence entre l'obligation d'accommodement raisonnable canadienne américaine et la discrimination indirecte, qui en Europe est quand même assez bien implantée. Il y a des directives européennes qui contiennent le concept quand même de discrimination indirecte. Et puis la dernière question, si vous pensez que l'obligation de l'accommodement raisonnable, disons, pourrait être aussi invoquée, en fait, c'est une question que j'ai un peu posée hier, mais j'aimerais que vous répondiez peut-être de façon un peu plus précise, pourrait aussi être invoquée par une majorité, disons, par, vous avez dit, les catholiques demandent de beaucoup d'accommodement pour des raisons religieuses, oui. Pensez-vous qu'elles devraient être protégées par cette obligation, ou même ceux qui sont demandés en fonction d'une conviction, disons, non religieuse, ou dans l'objection de conscience, est-ce que ça rentrerait aussi dans cette catégorie, ou est-ce que vous pensez de façon normative que ça devrait être couvert par ça? D'accord. Je vais commencer avec la dernière question. Est-ce qu'un membre de la majorité peut demander, un accommodement? La réponse est oui. Parce que la notion d'accommodement raisonnable vise à protéger les droits individuels, quelle que soit l'appartenance du demandeur à un groupe. Par exemple, il est arrivé qu'une femme catholique qui travaillait dans un grand magasin demande à son employeur de ne plus travailler le dimanche. Ce magasin, au Canada, les magasins ouvrent le dimanche. Et donc, elle disait que sa religion, en tant que catholique, l'empêchait de travailler dimanche. L'évêque n'était pas d'accord avec elle. En passant, l'évêque disait, non, madame, l'Église moderne reconnaît le droit de travailler dimanche. Mais cette dame était très convaincue, personnellement, en tant que catholique, qu'elle ne devait pas travailler dimanche. Elle a eu gain de cause devant les tribunaux canadiens, bien qu'elle appartienne à une majorité. Donc, la réponse est oui. Parce que l'accommodement, c'est un remède individuel, un problème individuel.
Ça, c'est la théorie, il a pas mal de raison. Alors, on peut très bien appartenir à une majorité. L'objection de conscience pourrait tomber sous le grand chapeau des accommodements raisonnables, mais en réalité, elle est considérée, elle existe depuis avant les accommodements raisonnables, et elle est considérée comme étant une manifestation de la liberté de conscience, qui est garantie par toutes les chartes des droits, sans qu'on ait le besoin d'invoquer les accommodements. Non. En réalité, ce sont deux choses différentes. Il y avait la question. Ah oui, le commandement raisonnable et discrimination indirecte. Peut-être pour le bénéfice des autres personnes dans la salle, la discrimination indirecte, c'est une notion que les juristes connaissent assez bien, qui consiste à dire qu'une règle, lorsqu'elle est appliquée d'une manière égale à tous, mais qu'elle ne tient pas compte des conditions personnelles de chacun, peut être discriminatoire, même si elle est la même pour tous. Elle est indirectement discriminatoire. Bon, nous connaissons ce concept chez nous, l'Europe la connaît aussi. La différence entre les deux, c'est que pour les juristes nord-américains, la discrimination indirecte entraîne nécessairement une obligation d'accommodement raisonnable. Notre Cour suprême disait que c'est une conséquence naturelle de l'égalité. Alors qu'en Europe, on ne fait pas ce pas conceptuel et on continue de reconnaître que la discrimination indirecte existe sans en tirer la conséquence que nous en tirons au Canada, toutefois accommodé. Sauf erreur, en Europe, ce n'est que le handicap qui peut mener à une obligation d'accommodement raisonnable. C'est toujours le cas. La première question, qui est la dernière pour moi, autochtones et droits fondamentaux, la tension entre les deux, est-ce que les tribunaux ont eu à se prononcer sur cette tension? Il y a très longtemps, oui, dans les années 60-70, mais c'était avant la Charte constitutionnelle des droits, et les tribunaux avaient donné raison aux communautés autochtones. En fait, même pas, c'était la loi sur les Indiens elle-même qui créait la discrimination. À ma connaissance, les tribunaux canadiens ne se sont pas prononcés encore sur cette tension. Ce sont des luttes politiques, plutôt, qui se mènent à l'intérieur des communautés autochtones, bien souvent entre le leadership officiel, très souvent masculin, et les femmes autochtones. Il y a des associations de femmes autochtones très puissantes, très revendicatrices, mais elles ont encore de la difficulté à se faire reconnaître comme des interlocutrices légitimes par le leadership autochtone officiel et parfois par des autorités publiques, provinciales et fédérales. C'est une lutte politique plus que judiciaire, justement. Mm-hmm. D'autres questions? Moi, je mets une dernière question, excusez-moi. Lorsque vous avez évoqué les traits semblables entre l'approche du Canada au Canada et l'approche européenne, vous avez évoqué bien sûr un patrimoine commun qui serait les droits de l'homme. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a, même sur ces propos, une différence assez importante? Mais aujourd'hui, ça va évoluer, mais pour l'instant, moi je crois que du côté européen, il est tout à fait majoritaire le refus de la notion, même de la notion des droits collectifs. Sauf de la part de, disons, des juristes et des traditions politiques où se présente, on va évoquer des demandes et des problèmes concernant l'autodétermination nationale. Sauf de ces côtés, l'Écosse, la Catalogne, la Corse, qui sont totalement différents. Et sauf de ces côtés, moi je trouve peut-être
peut-être là je me trompe, mais je trouve qu'il y a chez nous, parmi les Européens, les juristes européens, une tradition mécaniquement libérale qui refuse d'autre chose que des droits individuels. Alors, compte tenu que chez nous, on n'a pas, à mon avis aussi, peut-être aussi, moi je me trompe, on n'a pas tellement bien ceci. Qu'est-ce que ça signifie la société multiculturelle et la solution du patrimoine multiculturaliste, moi je crois qu'on a des grosses difficultés chez nous, chez les Européens, pour accepter qu'il y a le jeu et même les droits collectifs plus que les droits du peuple de domination ou les droits du peuple au développement. Par contre, moi je trouve qu'on devrait évoluer du point de vue des juristes européens, mais que le facteur peut-être, la raison peut-être serait l'absence chez nous, sauf au pays de Scandinavie, où il y a des peuples qui sont autochtones, semblables, et où il y a de la jurisprudence tout à fait semblable à la jurisprudence, à la reconnaissance des droits qui ont leur fondamentation à la tradition historique du peuple, concernant par exemple la pêche. Moi, vous connaissez qu'il y a des décisions concernant pratiques de pêche et de la chasse aussi pour les peuples dites Lapons, les Suomi, pour les peuples Sami, qui est tout à fait semblable à la décision que vous avez évoquée. Mais compte tenu que pour nous, il s'agit que des minorités nationales, pratiquement, qu'il n'y a rien d'autre du point de vue des grands, des demandes importantes de diversité, nous avons encore la difficulté pour bien saisir la notion des droits collectifs et la notion du patrimoine de multiculturalité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, je constate cette difficulté, surtout quand je parle avec mes collègues français. C'est très fort, ce refus presque viscéral de reconnaître des droits collectifs et même des droits individuels sous la forme d'autonomie. Et mon hypothèse serait que je vois deux facteurs qui peuvent expliquer cette réticence. Le premier facteur, vous l'avez mentionné, c'est la présence dans certains pays de peuples autochtones qui forcément forcent ces États à accepter que des groupes puissent avoir des droits particuliers. Le nombre de pays concernés est limité, 3 ou 4. L'autre facteur, c'est peut-être, c'est une hypothèse, ce serait peut-être le fait que dans la plupart des pays d'Europe continentale, ce sont des pays où il existe bien souvent des codes civils. Donc, des règles extrêmement cartésiennes qui couvrent l'ensemble des relations civiles possibles d'une manière logique, prévisible et générale. Alors que dans les pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la tradition juridique est autre. Il s'agit de pays de common law où on raisonne à partir de règles établies de façon casuistique par les tribunaux. Oui, il y a des lois, mais le fond du droit. Il n'existe pas le système collectif. Non, mais c'est d'ailleurs très difficile d'utiliser la common law quand on vient, comme moi, d'un pays, une province de droit civil, parce qu'on trouve qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence. Mais c'est l'esprit de la common law qui conduit à reconnaître des accommodements raisonnables. La logique, cas par cas, elle convient tout à fait à l'esprit de la common law.
C'est pas un hasard, je pense, que ce soit les États-Unis d'abord qui aient inventé les intervenants et que le Canada ait importé cette notion. Mon hypothèse a des limites parce que le Québec, une province de droit civil, pratique les intervenants raisonnables aussi, mais avec des réticences politiques, mais pas juridiques. Et là, on a peut-être un divorce entre les juristes et les êtres humains ordinaires. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. De nuevo, gracias a la Fundación Canadá, a la Embajada de Canadá y al Colegio Mayor Doctor Peset que nos acoge aquí. Y esperamos vernos y a los presentes y a otros más en las próximas actividades que desarrollaremos en esa colaboración y notablemente, especialmente, en un proyecto muy querido por muchos de nosotros, que es la exposición que va a acoger la Universidad de Valencia en el Palau de Cervelló en torno a esa figura extremadamente admirada que es Norman Lechín y que tendrá lugar, si me corregirá Marisa Calés, tendrá lugar a partir de la mitad del mes de junio en esta ciudad. Muchas gracias.